et bienvenue à ce nouveau tutoriel autour des compositions de mon recueil boîte à outils pour harpe à levier, Toolbox for Lever Harp. Voilà, aujourd'hui nous allons voir un morceau qui s'appelle Les Lettres Cachées, dont voici la partition. Et c'est un morceau qui est un hommage, on va dire, à Eric Satie. De par le type de main gauche qui fait, qui se rapproche un peu de l'écriture du maître. Donc qu'est-ce qu'on voit de nouveau? Qu'est-ce qu'on voit sur cette partition? On observe nos trois bémols, je vous rappelle à l'armure, donc main droite, main gauche, simila dans l'ordre, simila dans l'ordre. Ces bémols font référence à ce tableau. On est sur la première ligne grise qui indique que nous pouvons jouer soit en mi bémol majeur ou en do mineur si on est dans un schéma classique, soit dans différents modes, et surtout nous indique tout au bout à droite qu'il n'y a aucun levier à lever, sauf ceux qui sont indiqués. Et vous pouvez voir en clé de fa, vous avez le do, donc qui est également le do qu'on écrit en clé de sol, et le ré. J'aurais pu les écrire là, je ne sais pas pourquoi, mais en fait je les ai écrits en bas. Pourquoi? Parce que ça concerne la main gauche, mais voilà, do et ré. Donc si je me mets sur le grand angle, voilà, je baisse tous mes leviers, et je vais monter do et ré, voilà, qui sont au milieu de la harpe. Revenons sur la partition, donc on a une partition qui, voilà, maintenant nous sommes prêts pour ces lettres cachées, do et ré. Et on a ce schéma qui fait Satie, vous allez comprendre pourquoi, puisque c'est vraiment 3, 1, donc basse, ploum, ploum. Voilà, c'est vraiment ce basse, ploum, ploum qui fait qu'on va pouvoir vraiment être dans une suspension comme dans les Gnossiennes, comme dans les... bon, bref, les pièces de Satie qui sont si connues. Et que je ne connais pas nécessairement par leur titre, mais Gnossienne et les... Oh, mais c'est pas possible. Gymnopédie, voilà, ça y est, ça revient. Décidément, il faut un peu triturer les méninges aujourd'hui. Et voilà, il a tout perdu la mémoire. Donc, on va regarder ce que fait cette main gauche maintenant entièrement. Donc, main gauche, fa basse, do ré, fa. Doré, doré. Les notes sont légèrement décalées, c'est un principe d'écriture, juste pour pas qu'on fasse un pâté. Il y a bien le do et le ré qui se jouent en même temps. Si elles sont légèrement décalées horizontalement, c'est pour pouvoir les lire ensemble. Fa, doré, doré, fa, doré, doré. Do basse, si ré. Si ré. Fa basse, sol la. Sol la, fa, sol la, sol la, fa, sol la, sol la. Toujours noir, blanche, noir, noir, blanche, noir, noir, blanche, etc. Ici, on a un fa, la, do, fa, do, ré, doré, fa, do, ré, doré. Et on l'a vu dans la dernière vidéo, une barre avec deux points à droite, ça veut dire que c'est une barre de reprise. Et la barre de reprise, ça veut dire que vous payez votre impôt et vous retournez à la case départ, jusqu'à ce que vous voyez les deux points. Donc, une fois que vous êtes arrivé là, sol, sol, si, la... On passe de là à là. Et on rejoue ça une deuxième fois. Vous allez voir, c'est tellement joli que ce serait dommage de ne pas le faire une deuxième fois. Et la deuxième fois, vu que je n'ai aucune indication avec des en haut qui dirait la première fois vous jouez ça, la deuxième fois vous jouez ça, ça veut donc dire qu'une fois que vous avez joué entièrement la deuxième fois, vous allez vers la fin. Qu'est-ce qu'on voit? Juste, j'ai une petite formule de fin. Fa, la, do, qui pour une fois n'est pas une blanche. Fa, la, do, si, ré, la, do. Et fa. Alors maintenant, on va s'occuper de cette main gauche. Alors, qu'est-ce qu'elle a, notre main gauche? Donc, on va, techniquement, qu'est-ce qui est intéressant? Donc, c'est ces espèces de basses. On va placer un quatrième. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je disais, quand on place un deuxième, il faut qu'il y ait autant de place au-dessus qu'en dessous si on étend son pouce et son 4, pour savoir si on est au bon endroit. Si on est trop en arrière, ben, ça se voit, parce que là, j'ai quasi pas de place entre mon 2 et mon 4, et j'ai beaucoup de place entre mon 2 et mon pouce. Donc, pour savoir comment être axé, on tend son pouce et son 4 pour savoir à peu près où tombent les doigts et si on est bien au milieu. Ça, c'est quand on place un 2. Mais quand on place un 4, là, on va placer un 4 tout seul. Pourquoi je fais ça et pas ça? Pourquoi je le place avec un 4 et pas avec un 2 et tout? Pour, tout simplement parce qu'on a un déplacement à faire qui est de ce fa métal à do ré là-haut. Si en plus je rajoute un 2, ça me fera un grand... grand déplacement. Donc l'idée c'est d'avoir le moins de déplacement possible et de timbrer ce Fa. Je le joue, il va au fond de la main, il se détend et seulement après je me déplace. C'est pas un... Vous voyez, je le fais mal. Si je tire, mon son va être dur. Donc je joue, j'articule, je me déplace. Je joue, j'articule, je rejoue une deuxième fois et je me redéplace avec un 4. Ce qui fait que je tends mon 4 et finalement ça me fait plus qu'un tout petit déplacement. Donc ça c'est le Fa doré doré. Fa doré et doré. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, etc. Ensuite l'autre occurrence qu'on va voir c'est le Do si Ré. Do si Ré. Qui en fait harmoniquement on n'entend pas si Ré, on entend si, mi, si bémol, mi bémol, donc c'est un Do mineur 7. Sauf que vu qu'on a un Ré dièse, ça fait office de mi bémol. D'ailleurs on pourrait jouer mi bémol, sauf qu'on va pas se casser la tête, on va faire si Ré, parce qu'après ça va nous arranger. Do, si Ré. Troisième occurrence, Fa, Sol, La. Il nous fait une jolie Fa mineure avec, vous voyez, cette seconde mineure là, comme elle est jolie. Voilà, et c'est ça qui, c'est la neuvième que je rajoute dans la tierce. Voilà, et ça c'est très joli de mettre tierce et neuvième ensemble. Bref, donc je récapépète depuis le début, comme on dit, Fa, Do, Ré. Qui en fait est un Fa, Ré bémol, mi bémol, mais enfin bon. Ensuite, Do, si Ré, plusieurs fois, et Fa, Sol, La. Voilà, on a plusieurs fois le Fa, Sol, La. Ensuite, on a un Fa, La, Do, qui en fait à l'oreille est un Fa, La, Ré, puisque c'est un Do dièse, donc un Do dièse, un Ré bémol. Donc là, c'est Ré bémol majeur sur une base de Fa. Fa, Do, Ré de nouveau, qui est en fait Ré bémol, Mi bémol. Et pour la toute fin, quand on aura tout rejoué, La, Do, Si, Ré, La, Do, et je finis sur un Fa. Voilà, donc l'intérêt de ce morceau, c'est évidemment de travailler le quatrième en extension, comme ça. Il n'y a rien de sorcier à la main gauche, c'est comment on va faire respirer ça qui est intéressant. Donc avec deux plans sonores, le plan sonore de la basse et le plan sonore des plumes. Qu'est-ce que j'entends souvent qui n'est pas joli? J'entends ça. Voilà, c'est pas joli parce que tout est sur le même plan et on a une basse qui est aussi forte que l'enrichissement de l'accord. Résultat, ça fait pas beau. Vous voyez cette suspension, comme ça peut être joli. Et là, on peut vraiment écouter cette basse qui se développe harmoniquement, où toutes les harmoniques du son rentrent en jeu. Voilà, donc la première chose, c'est d'apprendre à faire cette basse bien timbrée pour avoir ces plumes d'une manière extrêmement subtile. Suspendu. On va revenir à la partition. Alors, sur la partition, qu'est-ce qu'on voit? La main droite. Voilà. Donc, tout est indiqué par phrasé. Donc là, on commence par deux sols. Donc, à la fois, on va être obligé de quitter parce qu'on ne peut pas rattacher deux fois la même note, évidemment. Donc, je joue mon sol. Et après, je place sol et si. Sol, si, et je rattache le La. Là, je vais quitter. Alors, cette fois, je vais quitter alors que je pourrais rattacher, mais je vais quitter parce que mon phrasé m'indique que ma phrase, en tant que chanteur, c'est Sol, Sol, Si, La, Sol, Si, La, Sol, Fa. Donc, il y a une respiration ici, donc qui va être prise par ce je quitte. Et là, Sol, Si, La, Sol, Fa, 2, pouces, 2, 3, 4. Je place 2 et pouces, et je rattache pouces, 2, 3, 4. Pareil, Sol, Sol, Si, La, c'est la même chose. Sol, Si, La, Sol, Mi, Fa. Donc là, on va faire 2 pouces, 2, 3, 4, pouces. Alors, on va voir ça en détail. Allez, hop, c'est là. Donc, 2, je quitte, 2 pouces. Je quitte, 2 et pouces, je place. Je joue mon 2, je replace si la sol fa. Donc la sol fa. Voilà, je me détends. Et ensuite, je reviens sur sol sol. D'abord, on fait sans le rythme et on voit déjà les doigts. Sol si. Je rattache le la. Et cette fois, je place sol si. Je joue le sol et je place si la sol mi et pas si la sol fa. Si la sol. Quand il me reste plus que le mi, j'avance mon pouce sans passer par en dessous, par je sais pas où vous passez à chaque fois. Juste il y a la main avancée. Si. Voilà. Ensuite, on arrive à la deuxième partie. Alors cette deuxième partie, elle fait ré, do, fa, mi. Alors là, pour une fois, on va commencer avec 2 et 3. Pourquoi? Parce que on va jouer le ré et ensuite on va placer le fa. Ré, do, fa, mi. Voilà. Et on ne place pas les trois ensemble, parce que là, le cerveau, sinon... Décidément, j'ai un rhume de cerveau. Ré, do, fa, mi, 2, 3, pouces, 2. Si je lui place les trois doigts, le cerveau, il ne sait pas s'il faut faire... Voilà. Alors, il sait le faire quand on est un peu plus avancé, mais d'abord, il faut apprendre à placer tous les doigts qui vont dans le même sens. Ré et do, ça descend. Ré, do et fa, ça monte. Là, ça redescend. 2, 3, pouces, 2. Do, mi, ré, do. Alors, do, mi. On va faire là, on va quitter. Et pour ceux qui peuvent, vous faites ça. Do, mi, ré, do. Et je place le sol en même temps. Pour avoir ce repère. Et pour ceux qui ne, pour qui c'est compliqué, vous faites do, mi, ré, do. Sauter sur sol, la, si, do. Voilà. Et ceux qui peuvent rattacher, c'est bien parce que pour le phraser, c'est indiqué que c'est une même phrase. Do, mi, ré, do, sol, la, a, si, do, o. Donc je reprends ré, do, fa, mi. On commence en levé ou en anacrouse. Souvenez-vous ma vidéo d'avant. C'est-à-dire on commence sur avant la mesure. 3, 4. Et do, fa, mi. Je le refais avec le doigté en quittant. 3, 4. Ré, do, fa, mi, je quitte. Do, mi, ré, do, je quitte et je place sur la si, do rapidement. Et pour finir, il ne reste pas grand-chose. Mi, fa, sol, fa, mi. 3, 2 pouces, 2, 3. 3, 2. Quand il reste que le pouce, je replace les deux doigts ensemble et pas les uns après les autres. Doigté grand comme ça, on pourrait mettre 4-3 pouces, mais on vient de terminer sur 2 et 3. Donc je propose de replacer 2 et 3 et le pouce, même s'il est en extension et qu'on essaye d'éviter les extensions au maximum, quand on a le choix. Là pour le coup, on vient de placer Fa et Mi, Mi et Fa, Mi, Fa, Do. Voilà, et il restera Sol, Do. Sol pour finir. Alors, je récapitule depuis le début. Sol, sol, si, la, je quitte. Sol, je replace les quatre doigts. Sol, fa, 2, 3, 4. Et sol, si, la, sol, si, la, sol, mi, fa, 2, 3, 4, 1. 2, je me prépare, 3, 4, 1, 2, je quitte, 3 et 4, et 1, et 2, et 3, 4, 1, et 2, 3, 4, 1, et 2, 3, 4, et là on a une barre de reprise qui fait qu'on va utiliser le sol de la fin comme la... comme celui du début. 2, 3, 4. Là, je vais le faire en quittant. Sol, la, si, do. Mi, fa, sol, fa, mi. Mi, fa, do. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Et on finit par mi, sol. Maintenant, on va faire la main gauche. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, notre main gauche? Enfin, en fait, je l'ai faite tout à l'heure, mais on va la faire avec la main droite. 1, 2, 3, 4. Elle commence forte, en fait. Et elle diminue. Levée. D'accord. Donc vous avez vu, première phrase, sol, sol, si, la, sol, fa, tout ça c'est sur le même accord. Et quand on fait la deuxième occurrence, sol, sol, sur la deuxième occurrence, deuxième sol, on change d'accord, on passe du fa, do, ré au do, si, ré. Je refais avec la mesure juste avant la rentrée de la main droite. 2, 3, 4, toujours fa. Là, on va changer la main gauche sur un do. Si, ré. Et un fa de nouveau. 3. Et là, on écoute notre jolie neuvième qui frotte. Et là, on commence sur un ré qui est la sixte majeure. Et ça, ça va donner une lumière. Ça fait du mode dorien. Ou du mineur 6. Ce passage là, ré, do, fa, mi, ré, do, sol, la, si, do, en disparaissant. Toujours fa à la basse, mais on change le plume, il deviendra la do. La do. Donc, et si vous entendez entre la basse, une jolie neuvième. Le ré bémol, enfin le do dièse qui est un ré bémol harmoniquement, ça fait une carte augmentée et ça c'est super joli. J'aime la carte augmentée. Et là on revient sur le do ré du début. Donc là on est comme au début, intro, reprise. Sixte majeur. Diminué. Crescendo. Crescendo. Et là, on sort de la deuxième reprise. Fa mi sol, qui est un accord fa à la basse et septième, neuvième mineur, neuvième. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dans ce morceau, c'est la respiration. C'est très simple à la fois en doigts. Enfin, il y a quand même des pouces de 3, 4, quelques grands écarts. Le rapport main droite, main gauche, bon, il peut se mettre en place quand même assez rapidement. C'est pas non plus trop chiadé. Il y a peut-être ce passage-là. Mais en même temps, le plume de la main gauche tombe en plein dans le trou de la main droite. Sol, la, plume, si, do, plume. Donc, c'est pas c'est vraiment comment vous allez faire respirer ça qui est intéressant. Et comment on fait grandir des nuances dans quelque chose qui est assez lent et méditatif. Et à la reprise, sentez-vous libre d'essayer d'autres nuances. Voilà, et puis de tous les retards, il faut vraiment que tout ça soit émergent, très musical. On découvre au fur et à mesure. Ça s'appelle les lettres cachées. Donc l'idée, c'est de découvrir au fur et à mesure des éléments qui viennent redistribuer les cartes, redessiner les certitudes. Ça peut être un peu roubateau. Ah tiens. Vous voyez là, j'ai changé ma nuance, j'ai fait un gros crescendo forte. Et seulement maintenant je décrescende. Et là je reprends le thème. Allez, forte. Histoire de vous montrer qu'on peut l'emmener aussi vers ça. Et tiens, on va rester forte, on va même faire un crescendo. Pianissimo. Un petit peu trop fort. Pianissimo. Encore moins. Détimbré. Exprès de vraiment vivre ce que je ressentais sur le moment, puis de vous le dire. De dire là, je vais essayer, tiens, puis pourquoi pas. Je redis, c'est important que les nuances, il faut les connaître, il faut être capable de respecter la loi, mais il faut aussi être capable de la digresser, donc d'être capable de désirer quelque chose d'autre que ce qui est écrit. Voilà, c'est là-dessus que vous pouvez avoir une belle liberté, surtout qu'il y a une reprise. Donc qui dit reprise dit on ne joue jamais deux fois la même chose. Donc soit on ajoute des ornements parce qu'on est un improvisateur, on peut se permettre de rajouter des fragments de mélodie, voire d'improviser une main droite sur, pourquoi pas, un peu tête baissée dedans. Soit vous faites ça, soit vous faites en tout cas des nuances différentes. Voilà, c'était les lettres cachées. Je vous remercie pour votre assiduité à ces cours qui, j'espère, vous font découvrir des secrets de la harpe, des secrets de fabrication, en tout cas vous mettre du réel sur quelque chose qui peut être encore de l'imaginaire. Et voilà, je vous remercie, je vous rappelle que ces cours sont mis en ligne gracieusement et que pour ceux qui le peuvent et le souhaitent, vous pouvez évidemment faire un don ponctuel ou mensuel sur le site Tipeee dont le lien est sous la vidéo. N'hésitez pas à revenir vers moi, n'oubliez pas qu'il y a 2 challenges en cours en ce moment, Forever Harp avec une composition par semaine basée sur vos requêtes, quelles qu'elles soient, et vos envies. Et Deep into the Harp, en effet, qui est le challenge dans lequel nous sommes en ce moment. C'est-à-dire au moins un tutoriel par semaine autour de mes compositions. Voilà. Donc merci à vous, à très bientôt et bon harping.